s'occuper de près, monsieur le président. Bon, très bien. Je vous remercie. Faites-les rentrer. C'était la fin des colonies, c'était le cinquantenaire des indépendances africaines, de 18 pays qui avaient accédé à l'indépendance. Donc, dans les faits, effectivement, tous ces anniversaires suscitent des films, suscitent des articles, suscitent un intérêt, l'apparition de livres, et ça a servi, si vous voulez, le festival en termes de dynamique. Cette année, c'est un petit peu différent parce que on savait qu'il y aurait l'élection présidentielle en perspective du festival, non seulement française, mais un peu aussi américaine. Donc ça, c'était un fait, évident, et c'est ce qui a décidé du sujet de la conquête du pouvoir. Que l'image peut nuire ou peut totalement fabriquer la carrière d'un politique. Et en ce sens, un Valéry Giscard d'Estaing en 1974 n'avait pas du tout, bien que ce fût un précurseur à l'époque, mais n'avait pas du tout la même relation à l'image qu'aura aujourd'hui un Nicolas Sarkozy, qui est lui totalement entraîné, qui est un homme de cette génération de l'image. Donc il est clair aussi que faire un film aujourd'hui, suivre ou accompagner un homme politique, ça ne se fait plus du tout dans les mêmes conditions. Bon, il n'arrive pas. Hein. Ça passe. Oui. Ce qui m'a marqué, c'est Giscard, le sang-froid qu'il avait, ce calme absolument, les mains ne bougeaient presque pas, il ne s'affolait pas, et il était très très calme, un peu froid peut-être, mais en même temps, c'était déjà la campagne américaine avec les bains de foule, le saucisson, la bière, enfin, c'était déjà une autre époque, quoi. Les États-Unis ont ouvert le champ à cette représentation de la vie privée. Ça allait de soi, n'est-ce pas? Le candidat est toujours depuis très longtemps accompagné de sa compagne, de son épouse, donc, parfois de ses enfants. En France, c'était impensable. Ensuite, les choses, évidemment, se sont accentuées. On a pris l'habitude de cette élection au suffrage universel et les candidats s'y sont préparés. Ils s'y sont préparés avec, à l'esprit, n'est-ce pas, l'image, effectivement, qu'ils voulaient produire. Et c'est pas facile. On voit bien, si je prends un exemple, celui de François Mitterrand, qui est un orateur, qui contrôle sa langue, qui a une certaine puissance de séduction. Au début, il est très médiocre. Comment voulez-vous que je puisse être ministre à 30 ans dans l'esprit du vulgaire ou dans l'esprit de ceux qui cherchent toujours l'explication misérable sans que ce soit le produit de je ne sais quelle habileté machiavélique? Depuis que j'avais fait ce film sur Mitterrand, c'est pour ça que j'en parle, j'avais dans l'idée que la politique, le milieu politique, les personnages politiques sont tellement romanesques ou cinématographiques qu'il faudrait faire de la fiction politique comme faisaient les anglo-saxons avec ces personnages. C'est un monde, un milieu, un système où toutes les passions sont exacerbées. Et donc, c'est pour faire des films, c'est un milieu, un terreau, je dirais, très passionnant. Si on est là avec une grosse loupe en train de regarder au-dessus de la boîte les bestioles qui s'agitent en dessous. Ce qui m'intéressait quand même en faisant par exemple, le parcours de Mitterrand, de Chirac, c'était que c'était des hommes qui avaient traversé beaucoup de choses, beaucoup d'événements, dont le parcours est chargé d'histoire. Là, on arrive à une génération d'hommes politiques qui, ils ont juste traversé l'ENA. Donc, c'est plus compliqué pour dire,
ils sont moins, je parlais tout à l'heure, ils sont beaucoup moins romanesques, ils sont beaucoup moins cinématographiques, beaucoup moins excitants. En France, comme en Angleterre, comme aux États-Unis, comme en Allemagne d'ailleurs, les hommes, chaque homme politique se met en image, mais il ne contrôle pas l'image des autres. Et donc, du coup, on a une sorte de concurrence des images. Tandis qu'en Russie, il n'y a pas de concurrence, il n'y a qu'une seule image. Il est évident qu'aujourd'hui, l'image, elle fait totalement partie de l'instrument du politique. Et donc aujourd'hui, il est clair qu'un homme politique, on le voit bien que Nicolas Sarkozy, maîtrise totalement, non seulement son image, mais son son. L'art du cinéaste, c'est évidemment de le traquer en dehors de ses productions publiques, de le voir si possible dans l'intimité, ou dans la proximité en tout cas. On s'est dit que on va prendre les images officielles de Poutine, qu'il met en scène, qu'ils sont très contrôlées, mais on va raconter par ceux qui ont participé l'arrière, derrière les images. Donc si vous voulez, on va analyser à travers les images officielles ce que s'est passé en réalité. Et du coup, dans ce décalage, ça va être encore plus flagrant. Et Sarkozy aussi, c'est un personnage très complexe. Et moi, ce qui m'intéresse en fait, aussi bien dans les documentaires que dans cette fiction La Conquête, c'est essayer de traduire cette complexité des êtres et la complexité des situations. Parce que si on fait du cinéma pour montrer des choses en blanc et noir, des choses simples, voilà, c'est un gros con, c'est une marionnette, etc., ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire, pourquoi cet homme, quoi qu'on pense de ce qu'il dit, pourquoi il a séduit 52% des Français? Le film La Conquête raconte la conquête, elle ne raconte pas le pouvoir. Ça s'arrête le jour où il est élu. Pourquoi dans cette frange-là, il suffit de relire la presse de l'époque, comment la phrase qui est dans La Conquête, comment la presse vraiment léché, était prosternée devant lui. Donc il y a eu un phénomène de séduction. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Monsieur Sarkozy, une question qui vous concerne personnellement. Allez-y. Faites votre joli métier de journaliste. Vous voulez parler de la rumeur? Il est normal qu'en tant qu'homme public, je réponde aux questions. La politique a de grands interprètes. Et même si on filme le réel, j'ai besoin d'avoir des personnages, des caractères, des humanités qui font qu'on va raconter une histoire. Alain Sablé-Rolle, Guy Sier, Guy Sarzy ou Gilles Salas, dans quelques mois, un de ces hommes sera le prochain maire de Floride-Aude. D'autres personnages doivent encore entrer en scène, mais d'ores et déjà, l'histoire peut commencer. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est ce qui échappe aux gens, c'est ce qui leur échappe. Et plutôt que d'essayer de capter des dérapages, des petites phrases, ce qui me plaît, c'est de filmer les corps, les silences. C'est l'image, c'est les gestes, c'est qui en disent parfois beaucoup, parce que j'aime le cinéma. Il faut l'enfêteur avant le résultat des élections. Alors je vais féliciter, je vais. Je vais philosopher un peu la Carthagène et la. Sarkozy a fait avec la politique du cinéma, ce qui permettait de faire du cinéma avec la politique. Donc ça a été une mutation très profonde. C'est le premier qui a conçu l'action politique comme étant penser, travailler, étudier comme devant être avant tout mise en scène pour le public. Donc je crois qu'il va y avoir après Nicolas Sarkozy un certain retour, oui, à des formes de représentation plus conformes à la mission politique des candidats.